petite interview juste avant de manger, de passer la table pour midi. Voilà, parce que c'est notre projet. Super affiche, super bénévole, super festoche. Que dire d'autre? Des bonnes bières, de la barbac locale. La BAM locale. Voilà, du soleil, des potes. Il y a une forme intergénérationnelle qu'on souhaite solliciter. Septième édition de Festimav, ouais, 8 ans d'existence. L'idée du projet à la base, c'était faire jouer au maximum les groupes issus du département. Parce qu'on avait découvert en 2009, on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de groupes en Dordogne qui jouaient super bien. Et on voulait leur faire un festival. Donc c'est des groupes qui émergent, qui ont déjà fait un produit, un petit EP ou voilà, une démo, qui ont déjà bien joué. Et voilà, c'est une occasion un petit peu de les valoriser. Voilà. Chaque année, ça tourne d'ailleurs. Il y a un roulement avec les groupes locaux. Alors on s'est dit, pourquoi pas aller jusqu'au bout de notre dynamique et promouvoir les brasseurs locaux et les agriculteurs locaux, à savoir que la viande qui est servie au barbecue est également issue d'un GAEC sur Trélissac, donc c'est également un coup du départemental. Quoi. Donc à la base on était un festival de métalleux, maintenant on est devenu un festival de toubab. Voilà. Super cadre, hein. Il y a le skatepark, il y a la rivière, il y a la forêt juste de l'autre côté de la rivière, c'est visuellement très agréable. Il y a du gazon, voilà, on trouvait que c'était un beau cadre et on trouvait en plus de ça que le faire gratuit comme ça en plein air, ça permettait aux personnes qui connaissent pas, qui sont pas vraiment dans cette culture, dans la culture rock, dans la culture alternative, justement de pouvoir aller y aller et venir, pouvoir découvrir à leur guise. Donc on s'est dit que ça serait, en termes d'éducation populaire, on s'est dit que ça serait assez porteur. Merci pour votre accueil. On a vu des gens danser, on a vu des gens s'embrasser, on a vu des ragots se remuer la tête, on a vu des vieux nous regarder bizarrement, mais rester. Merci beaucoup pour tout ce que vous êtes et qui vous êtes. À très bientôt, c'était 7 Weeks. Alors chaque année, on voit aussi des gens venir du Gers ou du Lot ou de Bordeaux. Ça fait très plaisir. Voilà, on commence à déplacer un peu de monde. On va essayer de continuer. On va dédicacer ce morceau à toute l'organisation. Parce que les petits festivals comme ça, c'est l'avenir. Il faut vraiment les soutenir. Il faut vraiment que ça existe. Alors bougez-vous le cul et venez à chaque fois qu'il y en a. J'aurais des torticolis demain matin. On va voir comment ça marche cette année. Il est possible que l'année prochaine, on change de site et on soit sur un festival payant. Bon, pas cher, mais qui va être payant. On est souvent frustré en fait, parce qu'effectivement, bon, on aimerait bien aller plus loin dans la prog, faire jouer des groupes encore plus gros que ça.
Mais bon, à chaque fois, on a un peu la barrière financière. On va peut-être devoir passer à du payant. Voilà. Désolé, chers téléspectateurs. Encore une fois, on aimerait remercier tous les bénévoles. Vous pouvez les applaudir encore. C'est eux qui font tout le boulot. Nous, à côté, on est des charlots. Nous, on s'appelle Hot Dog, on est des voisins, on vous aime.